Bonjour à tous. Merci, merci de vous être levé. Je pense que vous avez bien fait, parce que le sujet que nous allons aborder est peut-être celui des, l'un des plus importants, préoccupants du moment. Il s'agit tout simplement de savoir si nous sommes repartis depuis quelques années sur la bonne vieille guerre froide, l'opposition bloc contre bloc, ou si les apparences sont trompeuses et si, en fait, nous sommes dans un paradigme totalement nouveau, totalement différent. Nous allons parler ici essentiellement des relations entre la Russie et les États-Unis, mais plus au-delà entre la Russie et l'Occident, à partir de la crise syrienne. Depuis maintenant 4 ans, la Russie, de fait, a fait obstacle à un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité pour mettre un terme à la crise syrienne. Et puis le dernier conflit en Ukraine, en Crimée d'abord et en Ukraine ensuite, qui est lui aussi toujours en cours et qui finalement ne cesse d'interroger sur les véritables intentions de la Russie. Est-ce que simplement c'est un juste retour des choses, comme on l'a pensé pendant un moment à partir de la réappropriation de la Crimée, une région qui faisait partie de la Russie, russophone essentiellement, et maintenant qui, une situation qui évolue vers une quasi-guerre civile en Ukraine. Je vais vous présenter les intervenants, les panélistes aujourd'hui. À partir de ma gauche, Yves Leterme, ancien Premier ministre de la Belgique et aujourd'hui secrétaire général de l'Institut, je traduis son IDEA, qui veut dire International Institute pour la démocratie et l'assistance électorale. Je l'ai dit comme ça dans un espèce de potlatch franco-anglais. Le major général Bruce Lawlord est ancien chef du Homeland Security Department, c'est même lui qui a contribué à le fonder. Il vient donc des États-Unis, vous l'avez compris. À sa gauche, Enrico Letta, ancien président du Conseil italien. Nous avons donc deux anciens premiers ministres avec nous ce matin. Pavel Andreev, consultant, il est fondateur du Centre global pour la stratégie et la communication qui est basé à Moscou, en Russie. Et enfin, immédiatement à sa gauche, Mark Ellenbogen, ancien ambassadeur des États-Unis en Bulgarie, ancien vice-président du Parti démocrate aux États-Unis, et il préside la Global Panel Foundation. C'était globalement donc un diplomate et un philanthrope, comme on dit en anglais. Je voudrais commencer peut-être directement par vous, général, peut-être, si vous voulez bien nous dire, puisqu'on parle de guerre froide, et que vous êtes... you have the translation? Okay. Does it work? Vous avez la... You have the translation? Voilà, on va peut-être vous... Faut choisir le canal. To choose the canal. The channel. You got it? Okay. Donc, commencer avec vous. Vous avez une certaine expérience. Ah. You mean I'm... What I'm saying is translated in French. Ok. Vous avez une certaine expérience, étant un ancien... Non, ça ne marche toujours pas. Bon, je vais... Il faut mettre le... S'il vous plaît, la traduction en anglais. Hein, on a bien compris? Voilà. Ok. Let's try again. Ok. Commençons avec vous, puisque vous avez une certaine expérience et que nous sommes en train de parler de guerre froide. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas mesuré les véritables intentions de Vladimir Poutine depuis quelques années et qu'on est de fait dans une situation de guerre froide ? Are in a situation of potential confrontation. And I think that has to be looked at in terms of perhaps three strategic interests of the Russians. And the first is the concern, which I do think is a legacy of the Cold War, about NATO and NATO's expansion and its movement eastward. I think that's a very important consideration for the Russians.
And I think they have, they see it in their interest to counter that process. I think a second strategic interest of the Russians relates to the reestablishment of their influence in the near abroad, which they define as the near abroad. As you know, there were 15 Soviet socialist republics. When the breakup of the Soviet Union came, 14 of them became independent countries. Approximately 6 of them tried to join NATO, 3 of them did. And so I think there's a strategic interest in the Russians to reestablish their interest or their strategic interest in those Soviet socialist republics, former Soviet socialist republics. That's driving some of the behavior. And I think the third thing is the Russian interest in the establishment, the development, and perhaps the use of energy as a means of influence and as a means of generating revenue. So I think for economic reasons, geopolitical reasons, the Russians are moving in areas where they are beginning to bump up against U.S. interest, U.S. National interest. And so there's a danger, I think. The big danger is a miscalculation on the part of the United States in terms of what it perceives to be the Russians' intent, and on the part of the Russians in what it believes will be the U.S. response to those moves. I think that's a dangerous thing. Okay, mais je vous pose la même question à Pavel Andreev. Est-ce que de votre point de vue, on est reparti sur un affrontement de type guerre froide? Est-ce qu'on est définitivement sorti de l'idée du partenariat stratégique entre la Russie et les États-Unis? Before I get down to answer your question, I wanted firstly to say as well, opening up the last day of Med Days, wanted to thank the organizers for the perfect job they've done. It's a pleasure to be here in Tangier. Secondly, I will need to make a short disclaimer because I'm put out in the program as the chairman for the Valdai Club Foundation and the executive director of RIA Novosti. So I'm here in my private capacity as the founder of the Center for Global Strategies and Communications. I am affiliated with both those institutions, with the Valdai Club Foundation, of which I am executive director, and I'm also deputy editor-in-chief of Russia Сегодня, the successor for RIA Novosti. But I just want to repeat, as we're working in the open format, if there is anything worth of attribution of what I say, it should be affiliated with the Center for Global Strategies and Communications. Now, getting down to your question, Sylvain, however it might be nostalgic or depressing for those who hope that Europe and indeed the whole world could be one and free 25 years ago, or however encouraged might feel those Cold War warriors who have barely spread their wings to fly again after 25 years of waiting for this moment, I don't believe that the current global tensions that we are experiencing can be qualified as a Cold War. Two major distinctions. First, the current tension is not ideological. I would argue that almost all of the countries of the world are now on the same page regarding that democracy and market economy are the overarching principle of the structuring the nations, making the nations work and making the world work. There are, of course, differences in the reading of those principles, and they vary also within countries. The United States is a very good example of that. The spread of the perception of the rules of the game for democracy and for market economy are way different between the right-wingers and left-wingers. So it's only natural that in the global scheme of things, it's only amplified. So of course, democracy and market economy are being perceived differently in the United States, in Europe, in Russia, in China, in the Middle East, elsewhere. But the main thing, I just want to stress the first point, we do not have communism versus capitalism as two existential systems which are on a collision course for the win-it-all situation. Point number two. It is not
a struggle between Russia and the West. Russia and the West struggle is only one episode within a much more complex reality which has been created by the shifts in the global community. From Russia to Beijing, to this region, to Latin America, we can see growing disappointment with the US policies, with the Western policies, and an increasing desire to rebalance the global system to make it more just and more inclusive. So Russia, in this situation, is only one of those links which is trying to make the world more inclusive in terms of its governance. It is also important to stress that in this new flat world, it's not only the states, however small they might be, but also non-state actors, and moreover the societies themselves, the empowered citizens who want to have a say and to want to have an influence on the world order. They have a right to do so, and now they have a capacity to do so. And that also gives another dimension to the complexity of the conflict in the world today. So I would argue that the current tension, the current confrontation, is not only not bipolar, as it was during the Cold War, but it is increasingly multifaceted, multidimensional, and multilayered. So if we are not seeing a Cold War here, then what it is? The session, I believe, has two conflicts named in it, Ukraine and Syria. Let me dwell on those, and then I get to my overall conclusion. So on Syria, yesterday, PJ Crowley blamed Russia to be the main obstacle, basically the only obstacle to resolution of the crisis in Syria. Well, I would argue that Russia has no vested interest in Syria. The only interest it has is to preserve stability and control development of the situation in a strategically sensitive region, and to prevent Syria from becoming another Libya or another Iraq. It has never defended Assad for Assad's sake. It was defending a sovereign right of a nation for its domestically controlled transition and against foreign interference, including military ones. Moreover, by portraying Syria as a sort of proxy confrontation between Russia and the US, we'd overlook the interests and actions of all other players, from Iran and Turkey to Qatar and Saudi Arabia, Al-Nusra Front and Hezbollah. Syria is essentially a showcase of this modern confrontation, a multifaceted, multidimensional, and multilayered. Assigning Russia as a scapegoat for an insurmountable challenge, which is there, which was not created by Russia, which was only partly created by Assad, and which was only partly created by the United States, it's not only wrong, but counterproductive for the perspective of finding a resolution for the conflict. And preventing the situation from another replays in other states of the Middle East and elsewhere. That is also pretty much the same pattern which we see in the complex nature of the conflict in Ukraine. With one of the institutions which I'm affiliated with, the Valdai Club, we've just recently published a publication, a report on the root causes and the scenarios for it. So if we go along discussing Ukraine during our panel, I might dwell further on that. But I would just stress one thing, that the analysis demonstrates that the crisis in Ukraine is not a product of confrontation between Russia and the West. I would argue it's vice versa. The conflict between Russia and the West is a product of intrinsic internal problems of Ukraine, which has been mismanaged by its elite for 25 years, of its corruption, of its failure of nation building, United Nation building, and then it is exactly the failure to understand all these complexities on the ground, which led to some very unhealthy decisions by the European Union, by the United States, and Russia's reaction, which brought about the current state of affairs between Russia and the West. So to understand the complexity, to understand the logic of the Ukrainian conflict and to seek the solution in Ukraine, it is important, of course it is important to have Russia, the European Union,
and the United States on the same page regarding the future of Ukraine, but it is first of all the multi-actor, multi-layered conflict within the Ukraine which needs to be resolved on the ground, as it is an objective to resolve the conflict on the ground in Syria. So this leads me to my final point. If there are no existential ideological enemies in the world, why are we seeing the growing level of confrontation in the world? The answer for me is simple. The end of history was there 25 years ago. It felt for the US that the unipolar moment will last, and yet the technology and the economy, the powers which are beyond political control, shifted the balance, empowered even the smallest nations and non-state actors, as I said, they really created opportunity for a true multipolarity. And that is something which is hard to live through for the United States. In a unipolar view of the world, it is either you are with us or you are against us. And the US have not managed the transition from the unipolar moment to this true multipolarity. Thus, these tensions which it encounters, I repeat, it's not the tension only with Russia. We see increasing anti-Western, anti-US rhetoric in China. We see increasing demands in this region to define the relationship between the West and the Arab states. We see conflicts, like tension between some of the leading nations in Latin America. And even in Europe, there are forces which do feel that there is a need to return to sovereignty, to the multipolarity, to a more inclusive governance in the world. So Russia is only one episode, which Washington currently is trying to exploit to prevent its further decline as a sole superpower, I would argue. They hope that by defeating Russia, they will curb resistance from anyone else to come along to their face-off with China. What they're doing now, it is the information and economic warfare against Russia, but it will not be enough, I must tell you. It may have dramatic consequences for the dynamic of Russia's development, economic and social, but it will not be able to change the global dynamic in which the United States will have to share and to live in the world of inclusive global governance. Thank you. Thank you, Pavel. Mark Ellenbogen, I guess you would like to answer what Pavel just said. Well, can you answer particularly on two points? First, is it much more a conflict between two nationalism rather than an ideological conflict, just like we have seen during the Cold War with the Soviet Union? And I will add a second question. Can't we say that Russia is just doing, for example, what America should have done with South America, for example? Should anyone came with pretending to have influence in what's considered American nearest environment? Well, first of all, I completely disagree with the premises that have been presented here, and also that this doesn't have syndromes of the Cold War. But let me focus. I want to express some commonalities with the Russians before I beat them up. First of all, I think it's true that the West didn't step up enough during the transition from post-communism to democracy to interact with the Russians. We didn't find enough commonalities, and then I'll get to your questions. The other thing is, when we were setting up missile defense, the Russians offered us to have it in Azerbaijan. I actually went there to look at it with a delegation. We rejected it. We should have done it with them. We should have brought them into the decision-making process much more early and not treated them like they're pumpkins after the fall of the Cold War, which we did, and that pissed them off because they're a proud people, and they should be. They have a lot of history and culture. And we also, of course, during the 90s, had joint military exercises with Russia. We stopped those. They are a member of the Partnership for Peace. They are a member of the Council of Europe. So the mood between the United States and Russia post-communism, as the system was imploding, and as people, too, in Russia, as in other parts of Central and Eastern Europe, were parcelizing parts of the economy for themselves, probably the only area I agree with President Putin on, the U.S. was focused on other things. So, of course, it developed a group of oligarchs and a group of people who, by now, as we all know, in fact, run the country. And to say they don't is not the case, and Mr. Putin is the best representative of them.
So in fact, now we can go back to the questions that you asked me. Do I think that we should be going into South America with troops like the Russians are doing in the Ukraine, and we should be undermining South America like we did during the 80s and 70s with the CIA and with other agencies? The answer is absolutely not. I reject it. Number two, what was the second question now that I've lost my train of thought? Is it more like a kind of Cold War, but based on nationalism rather than ideology? I agree with that there's a lot of fractionalization going on, and that in fact it is multifaceted and multi-layered. So that much we're on common ground with. But I think there are elements of both what General Lawler said and what I will say which are true. I think it is absolutely not the case that the Russians have no vested interest in Syria. They clearly do. I think it is absolutely not true that Russia has never defended Assad. Even if you don't defend people publicly and you're doing everything you can to keep them in power, you're defending them. And second of all, it's quite an interesting tactic to say that the United States has caused Ukraine and has caused the fractionalization of the planet. The fact is we've been spending most of our time under President Obama trying to pull ourselves out of world conflicts, much to the chagrin of the world. And in the areas that we've gone into, we've actually done it, unfortunately, quite badly, which, of course, a man like President Putin, who views President Obama as weak, has taken advantage of. I would have responded very differently to things that happened in the Ukraine and in Syria. And, those conflicts, of course, cannot be solved without you, and that's absolutely true. But, the United States itself recognizes that we are not the only superpower, and that in fact the time of a kind of Americanism or an American foreign policy as it existed after World War II is not going to be the wave of the future. I mean, we realize that ourselves. But unlike Russia, we're actually prepared to confront it internally with democracy, with freedom, with free press, with free television, with freedom of speech, with rights that do not exist in Russia today. You can pretend they do, and they do not. As far as this kind of concept that it was democracy versus communism, yes, you're right, it isn't democracy versus communism today, but it is authoritarianism versus rule of law. It is corruption versus free markets, and it is often non-state actors in Russia who make the calls. You accuse the United States of having some of that, but I still think we live closer to our values than many countries on this planet, despite the mistakes that we make. Those are my first comments. Thank you. Merci, je pense que c'était assez clair. Je vais passer la parole. D'abord, Yves Leterme. L'Europe, dans tout ça, paraît un peu moins, j'allais dire, motivée quand on entend ce que vient de dire M. Ellenbogen, alors que c'est quand même son environnement proche, parlant de l'Ukraine, et pas si éloigné, parlant de la Syrie. Or, on a l'impression que les Européens sont à moitié convaincus de s'être lancés dans cette politique de sanctions contre la Russie. Est-ce que c'est votre sentiment ? Peut-être prendre d'abord un peu de recul et puis je répondrai à votre question. Tout d'abord, il y a certains éléments sur lesquels je peux aisément être d'accord avec les collègues. Ça dépend lesquels, parce qu'ils sont... Oui, mais je voudrais ajouter quelque chose. Je crois tout d'abord la question qui est posée, nouvelle guerre froide, qu'il y a un consensus pour dire que c'est différent. La réponse est non. Ce que nous vivons aujourd'hui est différent des schémas des années de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est pas parce que c'est quelqu'un d'intelligent comme M. Gorbatchev qui a lancé aussi ce concept la semaine passée à Berlin. Bon, il faut bien étudier ce que dit quelqu'un comme M. Gorbatchev, mais je crois que la réponse à la question nouvelle guerre froide, non, je crois que c'est un schéma trop réducteur pour traduire la réalité. Je voudrais partir un peu de la Russie et ajouter peut-être deux, trois éléments qui, je crois, à moyen terme, seront très importants comme éléments de grille de lecture du comportement de la Russie. Tout d'abord, naturellement, ce qui s'est passé après l'implosion de l'Europe de l'Est, de l'Union soviétique, il est vrai que nous avons été très rapides, mais c'est très normal, il y avait la chance historique à saisir, nous avons été très rapides à réunifier l'Allemagne. Au niveau de l'OTAN, je me rappelle le sommet de Bucarest où nous avons mis en perspective à certains pays de devenir membres de l'OTAN, ce qui pouvait être perçu comme, je dirais, quelque chose de dangereux ou venant dans la sphère d'influence des Russes. Et je crois donc qu'il y a une certaine
c'est compréhensif qu'il y ait une réaction comme nous l'avons eue. La politique de voisinage de l'Union européenne n'a pas toujours été vraiment très très claire. Et puis, naturellement, les raisons intérieures. Il y a la politique intérieure russe qui joue un rôle très important. Quand on voit l'histoire récente de la scène politique intérieure en Russie, on voit l'avènement d'une grande puissance politique avec un leadership très affirmé qui, à un certain moment, cherche de l'espace. Et donc, je crois que c'est des éléments importants. J'ajouterai deux choses. C'est que l'avenir économique à moyen terme de la Russie n'est pas très florissant. Du point de vue démographique, c'est un pays qui perd la population, avec un vieillissement très, très rapide de sa population. Quand on met ça dans une perspective de 10-15 ans, on risque d'avoir une Russie qui perd quand même quelques millions d'habitants, ce qui a naturellement un impact au niveau de la croissance économique. Deuxième élément structurel négatif, c'est cette hyperdépendance des ressources énergétiques et l'incapacité jusqu'à maintenant de devenir une économie qui produit de la valeur ajoutée. Donc, pour synthétiser, Russie, une ancienne force dominante au niveau mondial, qui se trouve coupée de ses partenaires, besoin aussi, par une dynamique de politique intérieure, de se retrouver un espace pour exister, pour avoir un rayonnement, et puis ces handicaps structurels, démographiques et économiques qui doivent être compensés, je crois, par une activité géopolitique plus importante. Et vis-à-vis de ça, on a une réaction très compréhensible de l'Occident lorsqu'on saisit la chance historique d'incorporer ces États de l'Europe centrale et de l'Est dans le système défensif et dans la démocratie de l'Europe occidentale. Je passe sur des épisodes comme le bouclier, etc., que je crois nous n'avons pas toujours négocié. Pour revenir à la question, je crois que la guerre froide n'est pas la grille de lecture de ce qui se passe dans le monde au niveau de la sécurité aujourd'hui. Je voudrais ajouter deux éléments, ou je voudrais ajouter quelques réflexions partant de la dichotomie entre, je dirais, les causes de conflits et d'autre part, les remèdes à y apporter au niveau du système de sécurité globale. Tout d'abord, il est clair que les causes de conflits, des conflits éparpillés de par le monde, il y a au moins 10-15 foyers de conflits, guerres civiles, conflits entre pays, extrémisme, fanatisme religieux, etc. Ce sont des causes très très diverses, mais où je crois nous devons, en tant qu'Occident et en tant que gens qui regardent ce qui se passe, être très conscients qu'il y a d'abord la réponse à porter à court terme, mais il y a surtout plus de réflexion à avoir sur ce qui se passe une fois qu'il y a une certaine pacification. J'étais entre les chefs de gouvernement et chefs d'État qui avons déclenché sur la base du Responsibility to Protect ce qui s'est passé en Libye. Il est très clair que là, par exemple, on a été assez percutant au niveau d'une réponse à apporter au fait qu'il fallait remplacer un régime, mais on n'a pas vraiment soigné ce qui venait après. Et donc, il faut tirer les leçons de ça. Donc, il y a une sécurité à restaurer, mais il faut surtout réfléchir à ce qui doit être à long terme, à moyen et long terme, ce qui doit garantir une pacification plus durable. Et là, je voudrais rejoindre ce que les collègues ont dit. Je crois qu'un système de gouvernance inclusive, bonne qualité de gouvernance, lutter contre la corruption, démocratisation, transparence, involvement, inclusivité des processus décisionnels, c'est vraiment de très grande importance. Et bon, je représente une organisation qui défend les valeurs démocratiques. Je crois que la démocratie, non pas prescrite, mais adaptée aux situations de chacun de ces pays, les systèmes de gouvernance transparente et démocratique avec des comptes à rendre par les dirigeants vis-à-vis d'une population, c'est un système, je crois, qui doit avoir toutes ses chances et qui peut-être à moyen long terme apporter plus de garanties de sécurité durable. Du côté de la communauté internationale qui est appelée à, donner un framework, donner un environnement plus sécuritaire, je crois que il faut bien tenir compte du fait que, bon, on est passé d'un monde bipolaire de la guerre froide à un monde multipolaire. Parfois, on a l'impression maintenant que c'est un monde zéro polaire, avec, même au niveau des États-Unis, de moins en moins de raisons d'être actifs partout dans le monde. Il y a moins d'espace politique aujourd'hui que ça n'était le cas auparavant. En plus, la dépendance énergétique est en train de diminuer de façon dramatique et donc enlève quelques raisons pour
Enfin, je dirais que les intérêts américains au niveau de la politique énergétique sont en train de changer dramatiquement, et surtout vis-à-vis de certains foyers de conflit, ça peut changer la position américaine. Ce qu'il nous faut, et ce à quoi naturellement il faut travailler, et il y a aussi le mot inclusif dans cette solution, c'est un multilatéralisme inclusif, où il y a un droit international qui prévaut et où la responsabilité de protéger les populations vraiment existe et est appliquée. Nous en sommes loin pour l'instant. Je crois que c'est vraiment la priorité numéro un si nous voulons, de façon efficace, résoudre des problèmes, c'est-à-dire non seulement arriver à pacifier des situations, mais surtout de façon durable à garantir une situation de sécurité. Pour conclure et pour revenir à votre question, donc guerre froide, non, certainement pas. Le monde bipolaire n'est pas d'agré de lecture pour expliquer ce qui se passe de par le monde. Un rôle très très important à jouer au niveau de la démocratie inclusive comme système de développement durable, transparence, bonne gouvernance, etc. Et au niveau du système de sécurité internationale, je crois que l'urgence, la première priorité, doit être de trouver un système de multilatéral inclusif où on peut vraiment appliquer les décisions. Mais naturellement, ça, c'est déjà un rêve qui existe depuis au moins l'après-deuxième guerre mondiale. Bien. Et alors, laissons tomber, sauf si Enrico Letta, à qui je vais passer la parole, nous dit qu'il croit vraiment que nous sommes dans une situation de guerre froide. Peut-être qu'on peut laisser tomber ce concept et rebondir sur autre chose. Effectivement, est-ce que cette idée de multilatéralisme inclusif n'est pas précisément ce que rejette totalement la Russie, qui est plutôt adepte de la théorie du fait accompli, ou du rapport de force, alors que nous cherchons effectivement la diplomatie et le compromis? On voit que le peu que ça a donné depuis 4 ans, par exemple, sur le conflit syrien. Et à l'inverse, de l'autre côté, est-ce que nous n'avons pas donné des arguments à la Russie, avec précisément l'affaire libyenne, dans laquelle les Russes se sont peut-être sentis, qui ont laissé passer la résolution du Conseil de sécurité, se sont peut-être sentis trahis par une opération qui, selon eux, avait considérablement dépassé le cadre qui était imparti au début. Et peut-être se sont-ils dit ensuite qu'on ne les y reprendrait pas à deux fois. Voilà les questions que je lance. Je ne sais pas si Enrico Letta voulait rebondir là-dessus, mais après, vous pourrez réagir. Merci. Premièrement, moi aussi, je dois remercier pour l'invitation. C'est très intéressant d'être ici. Et même ce débat-là, je pense qu'il est vraiment très, très intéressant. Et donc, je prends votre question et j'entre dans le sujet en disant que bon, je partage beaucoup des choses que Yves Leterme vient de dire. Et donc, je prends un peu le relais. On est bons européens pour ça aussi. La grande question a été la question, de mon point de vue, de la faillite des tentatives de bâtir des lieux de global governance dans le monde pendant les dernières années. Dans le monde, on a eu trois moments dans lesquels, après la guerre, on a cherché de bâtir la global governance. Et c'était toujours après des crises. C'était Bretton Woods, c'était le WTO et Maastricht, après la chute du mur de Berlin. Et c'était le G20 et le Financial Stability Board après Lehman Brothers et le reste. Bon, on est ici alors que les membres du G20 se réunissent à Brisbane. Il faut dire que le G20 a fait faillite du point de vue de la possibilité de devenir le lieu de la gouvernance globale. Et ça n'a pas été ce lieu. Les derniers deux G20 ont démontré ça, et ce G20 a une ambition très basse. Je cite le G20 et les lieux de la gouvernance globale parce que ce qui manque et ce qui a manqué a été la possibilité d'avoir dans les mêmes lieux de décision la Russie et d'autres grands partenaires du monde pour faire ainsi que la possibilité de gérer les choses, les grandes questions, d'une façon à faire monter la confiance réciproque, a fait faillite. Et on n'a pas eu ces lieux.
En plus, les autres grands lieux de la sécurité globale européenne, je pense à Helsinki, à l'OSCE et tout ça, c'est un rôle inférieur. Et donc, on a eu un tas d'interventions et de choses qui ont changé. Vous avez cité Libye. Je n'ai pas de doute à dire que Libye a été une grande erreur de l'Europe. Et je n'ai pas de doute à dire que la situation aujourd'hui est désastreuse. C'est un désastre. Je viens d'un pays, l'Italie, j'ai vécu toutes les conséquences de ce désastre. C'est un désastre qui aujourd'hui a des conséquences sur l'Europe majeures, parce qu'on ne réussit plus à gérer la question des migrations d'une façon qui soit manageable. Et tout ça parce qu'on a géré mal l'affaire libyenne d'une façon absolument sans penser que quand on intervient, il faut penser à ce qui se passe après qu'on est intervenu. Ce n'est pas seulement intervenir. Bon, c'est très facile d'intervenir, ce n'est pas très difficile. Le problème est qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on gère après? Donc je vois que la situation est une situation dans laquelle aujourd'hui, il y a un grand espace pour l'Europe. Peut-être ça, c'est le point où j'ajoute quelque chose. Il y a un grand espace pour l'Europe à condition que l'Europe sorte de ce mood inward-looking que l'Europe a eu pendant les dernières 5-6 années. La crise financière, la crise de la dette souveraine a été la grande raison de ce mood inward-looking de l'Europe. Mais je pense, on est ici au Maroc, le Maroc, le Maghreb s'est aperçu d'une Europe qui a reculé et qui a regardé à son intérieur plutôt que à ce qui se passait aux alentours de l'Europe. La Méditerranée, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Euro-Asie, le Caucase sont tous des lieux où on demande une présence et un rôle de l'Europe. L'Europe est plutôt concernée avec ses problèmes à l'intérieur. Alors, mon point, je termine sur ça, mais je voudrais plaidoyer sur ce point. Il faut que l'Europe prenne l'opportunité d'avoir une nouvelle équipe, donc d'avoir terminé toute cette interminable discussion interne sur les équilibres internes de l'Europe, qui va gérer quoi, les Spitzenkandidaten et tout le reste. On est là, on a une équipe qui a une grande légitimité. On a un président de la Commission européenne, M. Juncker, que s'il veut, aujourd'hui, il peut. C'est-à-dire qu'il a une grande légitimité qui vient du vote, qui vient du Parlement européen et qui vient de son expérience. Il est là depuis, je pense, la naissance de l'Union européenne. Donc, il connaît tout de l'Europe. S'il veut avoir un rôle de leadership, il peut. Et on a besoin d'un rôle de leadership aujourd'hui, un rôle proactif de l'Union européenne. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est décisif. Et ça, les titres de cette proactivité dont on a besoin, ce sont premièrement, et ça, ça a été une petite erreur de mon point de vue au début, il faut continuer sur l'élargissement de l'Union européenne. Il ne faut pas stopper. Les Balkans, par exemple, c'est une des régions sur lesquelles l'Europe ne doit pas dire à ces sociétés et ne doit pas céder au populisme des électeurs et des partis politiques européens qui disent stop à l'élargissement parce que c'est la cause de la crise. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la cause de la crise, l'élargissement. Il faut continuer sur l'élargissement, il faut le faire d'une façon... Ça a été une des choses les plus intelligentes qu'on a faites pendant les dernières 20 années. Pensez-vous si... Pendant cette crise de l'Ukraine, que serait de l'Europe si on n'avait pas fait l'élargissement pendant les dernières 10-15 années? Si la Pologne n'était pas dans l'Europe, dans l'Union européenne, si le reste, les Pays-Baltes n'étaient pas dans l'Union européenne, si aujourd'hui on n'avait pas cette grande opportunité d'avoir un président du Conseil européen qui vient de Pologne, M. Tusk. Donc il faut continuer sur l'élargissement. Il faut faire ainsi que le rôle de l'Europe dans la Méditerranée monte, et il faut faire ainsi que l'Europe joue un rôle au Moyen-Orient plus proactif. Madame Mogherini a commencé là,
et je fais confiance en ce qu'elle peut faire. Par exemple, je dis ça, bon, il faut qu'on commence à faire une réaction, ça c'est mon dernier mot, sur une des questions que j'ai trouvées les plus étranges dans le monde d'aujourd'hui. Mais comment peut-on accepter que ce qui se passe en Irak s'appelle État islamique? Ça, c'est un problème des politiciens, des médias et tout ça. C'est inacceptable. Ce n'est pas un État islamique. Le nom État islamique est quelque chose de trop demanding pour qu'on accepte que ça puisse être employé dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam comme on le connaît et comme on devrait le voir dans le monde. Et alors ça, il faut se demander, peut-être on est trop timide dans tout ça, peut-être il faut être plus proactif. Voilà, ça c'est mon plaidoyer pour un rôle de l'Europe plus actif, naturellement en confirmant notre alliance historique avec les États-Unis, les Américains, en sachant aussi que les Américains, les États-Unis vont vivre une période assez particulière. Les prochaines 2 années, la campagne électorale, qui va être le nouveau président. J'ai toujours partagé une grande sympathie vers Obama. Il avait dit qu'il aurait sorti les États-Unis des situations de guerre dans lesquelles les États-Unis étaient. Il l'a fait. Je pense qu'il a été cohérent avec ce que les électeurs lui avaient demandé. Donc on ne peut pas le blaming pour ce qu'il a fait. Naturellement, le problème, c'est comment bâtir un monde futur dans lequel les équilibres sont différents. Et c'est pour ça que je dis que l'Europe doit jouer son rôle. Merci Enrico Letta. Vous ne m'en voudrez pas de dire que j'ai le sentiment d'entendre ce discours depuis très 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 longtemps. L'Europe doit faire plus, elle doit être plus présente dans son environnement au Moyen-Orient, etc. Et que c'est d'année en année, de mid-days en mid-days, peut-être et dans d'autres endroits aussi, un discours récurrent, mais qui malheureusement ne se traduit pas beaucoup dans les faits. J'aurais deux questions à vous poser, Général. Au fond, effectivement, d'après ce qu'Enrico Letta a dit, catastrophe, la façon dont, là c'est plutôt pour les Européens, puisqu'ils étaient, et la France en particulier, catastrophe, la gestion de la crise libyenne. On pourrait dire aussi catastrophe, la gestion de l'après-intervention en Irak, quand on voit la situation aujourd'hui en Irak, et c'est davantage pour les États-Unis. On voit qu'actuellement, finalement, la coalition États-Unis-Europe s'est lancée dans une offensive contre l'organisation de l'État islamique. Je dis organisation parce que nous avons eu ce débat dans les médias. Et à France 24, par exemple, comme dans d'autres médias, on ne dit pas État islamique, on dit organisation État islamique. Par exemple, justement parce que nous ne sommes pas naïfs. Donc c'est lancé dans une offensive contre l'organisation de l'État islamique et paraît, au fond, aujourd'hui, peut-être presque faire le travail pour Bachar al-Assad. Est-ce que ça ne donne pas tout ça, quand même, de sérieux arguments aux Russes? Quand ils disent, au fond, c'est pas à vous de nous donner des leçons sur la manière dont on doit gérer les affaires du monde, je veux dire. Oh, I'm sorry. I agree there's been some mismanagement in terms of international crises, both on the part of the United States and the part of the Europeans. I was not personally a very particularly a large fan of Iraq. I don't think we probably should not have gone in, and if we did go in, we could have done it much better than we did. So having said that, it was the policy of the United States to go. We executed it the way we were told to execute it as a military. And when Iraq asked us to leave, I think it's very important for people to understand that we left. And now we're being criticized for having left at the request of the Iraqi government. So I would suggest to you that, let me go back. My friend from Russia has said that it is complex, and I will agree that it is complex. But I disagree that it is obscure, that it is that we are unable to see what has transpired in the last, say, decade. And I would like to respond to my friend here about the energy situation.
It is incorrect to say that the United States is now primarily motivated by energy. The reality is that the United States will be energy independent within a very short period of time. Oh, I thought what I heard you say is that energy was driving the United States foreign policy, which I don't believe is correct. I do believe that has a profound influence when we talk about energy, however, on Europe. Because if anything occurred, the Europeans learned the lesson of the 2010 Ukrainian elections, in which the Russians used Gazprom and energy as a lever to affect the outcome of those elections, to impact the democratic decisions of the people of that country, to put in power a person who turned out to be incredibly corrupt and caused, in effect, a civil war in his own country. So the lesson learned there is that the concentration of too much economic power in the hands of a country that desires to use that economic power to leverage its political ambitions is a very dangerous thing for those people who are in the way. And I think that's a lesson that we learned. I think it's the lesson the Europeans are learning. I think it's a lesson that's going to lead to changes in our energy policies in both parts of the world. And I think that's probably fairly good. The other thing I'd like to point out is that since 1989, and I wrote them down as I was listening to the comments, Poland, Hungary, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Romania, Albania, and Croatia have all petitioned and become a member of the NATO alliance. They did not do that because they were afraid of London or Paris or Washington or Brussels. They did that because they were seeking greater independence and freedom from external and foreign pressure. And I would say to you that every single one of those countries has something in common. They were all part of the former Soviet orbit, everyone. And so there is a question here, perhaps the conflict is between, as my friend Mark Ellenbogen said, between authoritarianism and democracy, between those who would rule by fiat and those who have to go through the very messy process of democratic elections. And I, for one, am very proud of the fact that the United States will always stand on the side of democracy. Now, we don't always get it right. Sometimes we get it very, very wrong. Sometimes we make mistakes, but we are always there. And you can always count on that. And I think that's very important for the international community. So I think the issue here that I don't think we're in a Cold War. I do think there's a different kind of competition that's going on, and one that we are learning to deal with. But it is a competition in which national interests, both the Russian national interest and the U.S. national interest, and I would argue the West's national interest and Europe's national interest, do come into conflict. And the question is, how do we work our way reasonably through that? And I think the answer is to find common ground with Russia. It is a great people and a great country, and very powerful, and we need to recognize it. And I think I would argue that the United States has, in some respects, recognized that power, but also said that there are limits. We have stepped back in some occasions when others have argued that we should intervene, and we have refused to do so. I think that is one of the examples of that is we are criticized, President Obama is criticized, I think, somewhat extensively for the famous red line remark about Syria, that if they crossed a certain red line in the use of chemical weapons, that the United States would react. And we didn't. Well, that's my concern about the misjudgment that I talked about earlier. Some would view that as a sign of weakness. But I know that within the U.S. government, there was concern about who had actually used the chemical weapons. There was not certainty.
And so we withheld the power. And to me, that's a sign of strength and not weakness. And we were willing to accept the criticism that was leveled at us for perhaps not doing what appeared to be called for. So I think there, where we stand in this confrontation with Russia is really a question between authoritarian approaches and between democratic approaches. Some would say the United States is in conflict because Republicans have won the election. That's the way we do things. That's how we work. And as you, in every country, I would argue, and my friends who have been prime ministers know much, much better than I, that every leader who stays in office for a long time begins to generate opposition. And that's happened in my country, and I would suggest to you that that's also happened in Russia. And the question is, how does the country respond? Thank you. Je pense qu'il y a une pierre dans le jardin des Européens, là. Parce que je voudrais reprendre ce qu'a dit, ce que vous avez dit, Général. D'abord, juste une petite question sur ce que vous avez dit. Juste d'un mot, pourquoi avoir parlé de cette ligne ça va là? You have the translation? No. No. Why having speak? Why President Obama speak about red line to discover after why that he wasn't sure that who crossed the red line? I'm sorry, I'm not. You said that it was a sign of strength. I do think it was a sign of strength. But the thing is that people had trouble to understand why President Obama has raised a warning saying we're going to intervene if the Syrians cross the red line, then say they have crossed the red line, and then to discover that finally we weren't so sure as whether who had crossed the red line. I think the answer was the policy was established. Execution of the policy depends on being able to identify the person responsible for the act. And if you cannot identify the person responsible for the act, then I view it as a sign of strength that you withhold the action rather than take it when you're uncertain. And I think that's you know, perhaps a lesson we have learned when we went into Iraq believing that there were weapons of mass destruction there. We went in there because we were concerned that those weapons would be used against us and against our allies. Against civilian populations. One of the things you must understand about weapons of mass destruction is they are not military weapons, although they are controlled by the military. They are weapons designed to destroy people, to kill massive numbers of people. And my country, and I believe your country is, and most of Europe believed at the time when we went into Iraq, that Saddam Hussein in fact had weapons of mass destruction. That was the general belief. It turned out to be wrong. And so one can argue effectively that the whole purpose of the invasion was wrong. However, it was done. We, I think, have admitted in many cases that we didn't do it well. I believe it was a strategic mistake for the United States to do, but we did it. And nobody asked me my opinion at the time the president made the decision. So the point is that sometimes the withholding of power can be as much a sign of strength as the execution of power. And it is interesting to me that as the United States has withdrawn from these conflicts, and said that we will no longer accept the burden alone of our sons and daughters being killed and trillions of dollars in national treasure being spent in other parts of the world. As we have done that, the criticism of the United States has increased. Yves Le Terme, j'ai envie de vous demander de réagir à ce que disait auparavant le général Waller. Ça revient à la première question que je vous avais posée, mais je crois que vous n'avez pas tout à fait répondu. On a un peu l'impression que les Américains sont les derniers à sortir le drapeau de la liberté, de la démocratie, alors que nous, Européens, devrions le faire parce que nous sommes censés partager les mêmes valeurs, mais que nous
sommes plus tellement intéressés par la défense de ces valeurs, puisque, comme le dit le général, on a le sentiment parfois que les Américains sont les seuls à intervenir au nom de ces principes. Oui, enfin, là, il faut être honnête, et je crois que je rejoindrai ce que Enrico Letta a dit. On peut faire appel à un sursaut de responsabilité, de sens de responsabilité des Européens. Il est clair que nous avons, ces dernières décennies, essayé de nous organiser, que, particulièrement depuis la crise financière, on a été beaucoup occupé à gérer cette crise financière et qu'il y a eu peut-être un manque de présence, mais aussi peut-être un manque à certains moments de courage et de perspicacité. Peut-être un manque de préparation. Est-ce que l'Europe veut être une puissance militaire aussi soyons aussi clairs et transparents là-dessus. Si je prends le point des instances européennes, il est clair que la politique et l'appel a été fait à la commission de Jean-Claude Juncker, ou ressortissant de l'Italie, maintenant à la responsabilité de la politique extérieure. Il est clair que partant des États membres de l'Union européenne, il y a une volonté de garder une politique extérieure profilée comme une sorte de précaré, de domaine exclusif. Et donc, il n'est pas facile pour les instances européennes d'exister au niveau extérieur à côté de la politique du Royaume-Uni, la politique des affaires du Quai d'Orsay, la politique étrangère des autres États membres. Donc, un des grands éléments, c'est que dans l'Union européenne, nous avons chacun nos agendas nationaux. Nous sommes dans une dynamique d'intégration, y compris de la politique extérieure, mais ça dure longtemps. Et donc, pour l'instant, nous avons cette faute de construction où d'une part, il y a la volonté d'avoir une action extérieure partant de l'Union européenne, mais d'autre part, il y a encore cet agenda national, avec y compris parfois des intérêts économiques très importants et qui font qu'en termes de visibilité, en termes d'impact aussi sur le terrain, cette politique extérieure de l'Union européenne a très difficile à exister parfois. J'ajouterais qu'il est exact que, en ce qui concerne les Balkans, nous devons saisir la chance historique qui a été saisie par Helmut Kohl, qui a été saisie après 1989, c'est de stabiliser une région où deux, trois fois durant les deux derniers siècles, les origines de conflits, y compris mondiaux, ont été présents. Et donc, intégrer, ne pas arrêter la politique d'intégration européenne est un élément très important. Mais personnellement, je suis quand même assez dubitatif sur la volonté politique au sein de l'Union européenne et au sein d'un tas d'États membres pour être au rendez-vous. Mais il est clair que normalement, il faudrait, si on regarde ça avec un sens de responsabilité, il faudrait maintenant franchir un pas en intégration européenne et il faudrait saisir la chance historique de stabiliser toute cette région du Balkan. Nous avons la Slovénie, nous avons la Croatie, il y a des négociations de préadhésion avec d'autres pays. Seulement, lorsqu'on lit, soyons honnêtes et francs, lorsqu'on lit les policy papers de la nouvelle Commission européenne et les textes sur la base desquels cette nouvelle Commission européenne a obtenu la confiance du Parlement européen, je dirais qu'au niveau de l'élargissement, les promesses et les engagements sont assez réduits. Et c'est dommage, c'est manquer une chance historique d'intégrer, par exemple, le Balkan. Et ce serait un remède à cette honte que nous avons eue début des années 90 de devoir attendre une intervention américaine parce que nous n'étions pas responsables assez, nous n'avions pas le courage d'intervenir dans notre immédiat voisinage. Donc, pour répondre, oui, vous avez raison, il y a une certaine absence de politique étrangère courageuse de la part de l'Union européenne. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on attend ça à chaque Middays aussi, qu'en ce qui concerne le bassin méditerranéen, l'Europe devrait être plus présente. C'est vrai. Et donc, nous, surtout dans notre position actuelle, je crois, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que faire un appel à l'opinion publique, un appel aux leaders politiques de pallier à ce problème. Mark Ellenbogen, je pense que vous voulez prendre la parole. Je voudrais que vous réagissiez à ce qu'a dit Bruce Lawler. Est-ce que vous êtes d'accord sur le cafouillage d'Obama sur l'intervention en Syrie? C'était un signe de force ou un signe de faiblesse? Et est-ce que ça a été interprété comme un signe de force par Moscou? Well, I think the United States has made a very big mistake in Syria. Whether I think that we shouldn't have issued a threat about red lines. Look,
The fact is you draw parameters, you say those are going to be the parameters, and then you have to deal with it. If you don't set the parameters, then you don't have any steps to take. It's one of our great critiques of the European Union, that it does a great job with soft power, but of course, in its intention to bring in everybody in the decision-making process, and im Übrigen, ich bin in Deutschland geboren und bin Amerikaner geworden. I was born in Germany and became an American. I understand the need to bring people together, but the fact is at some point you have to say, this is our common interest, this is where we're going to go to, we've had enough, like raising a child, and I don't mean Russia is one, we need to be treated that way too when we cross lines, but you have to set parameters, otherwise you can't move forward. So as far as Syria, I'll tell you my personal opinion about Syria is the following. I would have supported Mr. Assad. I would have allowed him to walk away with several billions, which he offered in 2007 and 2008. I would have done a meaningful transition from him leaving to somebody taking power. I mean, who the hell is the opposition in Syria? We don't even know. So what are we supporting there? We're throwing bad money at even worse money in managing Syria, in managing Libya, and managing different parts of the world. And I would have approached the Russians, as we did offline, and I would have said, let's find some commonalities before we kick the crap out of each other, either in the public sector or behind the scenes or as a military. So in that sense, I think the U.S. approach to Syria has been just a complete disaster. I also happen to agree that Libya is a disaster, and frankly, I'd ask you to point out one of the areas we've gone into that's been a success. I think the word zero over the past few years has been the case. We French would say Mali. Yeah, well, Mali could be, but in fact, the French went in there, we didn't. But one thing I do have a kinship with Bruce about, because of course, we're roughly 10 years apart in age, but we are both products of the Cold War for different reasons, and I have been at war quite a few times, is that where we had hoped that Europe would move into the fray and that we could pull out hasn't been able to happen. Now, that doesn't mean that we're doing a great job of approaching the planet in a, and I mean, look, just some statistics. In the first 3 weeks of going after ISIS, we spent $1 billion per week. $1 billion, so that's $3 billion in 3 weeks. I think that's a great investment, don't you? No. We have now spent more money in 10 years in Iraq, in Pakistan, and Afghanistan than we spent in the entire period of keeping 500,000 troops in Western Germany, facing the East Germans, facing the Russians, with our military bases, with our commissaries, with housing, than we spent in those 45 years. That's the success of how we've been dealing with these things. So, you know, when we talk about syndromes of a new Cold War, of course, as a boy who grew up in Germany during that period, who then moved around and said, okay, I have to join a military, and my choices were the US, Canada, and or Germany. I said, no, I'm gonna go to the United States, and I did. And of course, as a result of that, I have a different feeling when Russia moves forward, and probably in that sense, I do, you know, kind of respond to you like Czechs do and Slovaks and think, why are you doing this way? What is making you move forward? Look, of course Crimea is a fait accompli and probably Khrushchev shouldn't have given it to the Ukrainians. I know that's not gonna make me popular in Ukraine, but I'll say it. And I know that there are strong feelings in Eastern Ukraine about how to interact with the West and NATO. But you can't just move your tanks into a foreign sovereign country on your border, which is a European country, by the way, even if it moved back and forth over history, and then say, but world, please put up with it. The same way the world shouldn't put up if the US moves its tanks into places and does it in an unthoughtful way because we are trying to, in short term, protect our space. So that's my answer. I've tried to be as open as possible, okay? Thank you. You're welcome. Pavel? 2 points I wanted to address. and the third one, a short one, about the tanks moving in. Firstly, well, maybe I've spent this week traveling around the region, so I didn't see any evidence of that. Maybe it is out there. But before this week, I have heard many claims, but I have seen no proofs of Russian tanks moving in. That's number one. And number two, the Crimea, it was a reaction. It was given on a plate to Russia
in the circumstances which have been created not by Russia, and Russia just followed the suit of global politics, international relations, which have been taught to them over the past couple of decades by our American friends. But I wanted to deal on two other issues. I want to pick up with the energy as the economic as a weapon of economic warfare, and this authoritarianism versus democracy thing. It's really fun to hear about the criticism of Russia using energy as a weapon of economic warfare when it is a country which has been put under economic warfare itself by the sanctions, which were not legitimately put through the United Nations, which were imposed against the national interest of many participants of these sanctions. And Germany could be a great example of that. Look at their GDP in the last quarter, and their falling exports to Russia. I mean, everyone uses whatever they can. I mean, information, economic warfare, sanctions, energy, whatever, soft power. Bruce referred to Russia using energy weapon to influence the 2010 Ukraine election. I wouldn't argue. I would argue it was not direct influence on the election. It obviously had some political influence, but it was much less a direct influence than it was in 2004 when U.S. instigated an orange revolution and basically performed a coup d'état against a legitimately elected president, the one which was reinstated in 2010, whose economic policies were much more successful than the ones of the Democratic president, which was put in place by the Americans in 2004, and who was again turned down in a coup d'etat this year. So I think this kind of tells about the record of influencing with different means on the political processes in sovereign countries. And the second point about authoritarianism versus democracy. Now, who is the one to measure? How do you measure it? Is Saudi Arabia a great friend of the United States, an authoritarian nation or a democratic nation? Who would say, how do you measure democracy in Russia? By length of stay of the of President Putin in power? Let's look at how many years Angela Merkel was in power in Germany. Let's look at one of the role models of one of the greatest presidents in the history of the United States, Franklin Delano Roosevelt, how many years he has been in power. Popular support. There is no other leader which is more popular in the world than President Putin. It is vetted by independent polls. I mean, his rating has gone down a bit, from 88% to 84% this week. I mean, how do you measure democracy then? So I would come back again to my thesis that it's not about authoritarianism versus democracy, because then we are like getting on a very, very shaky ground of double standards and adequate measurements. President Putin, Russia, has claimed many times that we are there on a path to democracy, on a path to market economy. It is shades of gray. It is, one would argue, there are about 15% of the Russian population which are not satisfied with the way the things are going in Russia. There are even more who are satisfied but would like to see something more radical or less radical or something different. But they still see that Russia is going in the right direction. Now, in this scheme of things, it is not about authoritarianism. It is about geopolitical interest. It is about geoeconomic interest. And let's be frank about it and concede that any talk of values, any talk of democracy, as the export of democracy, is a PR, is a disguise, and it's hypocrisy for geopolitical and geoeconomic interests. And these geoeconomic interests come, in the United States instance, come into the in a collision with the natural development of the global community. Let's be frank about it, and let's do something about it, and let's become more inclusive in the decision making you are taking. Thanks. Thank you.
I would have a last question before we take a few ones from the from the assistants. It's one question actually. How do we go forward with Bashar al-Assad? Mark mentioned that he would have proposed him going out with a few billions or millions, I don't know. Is there still a possibility that the Russian will accept, maybe giving him immunity, asylum in Moscow, let's say, that some kind of political transition is still possible in Syria? First question. And second question, is it possible that what we are witnessing, for example, now in Iraq and Syria, that everyone realizes is the result of the failure in Iraq and the situation going on in Syria? Is there possible that the European Union, the United States and Russia find common ground fighting ISIS? Do you want to, Bruce? Last question, I got to figure out how to do this. I think it certainly is possible. I think there's a lot of common areas of interest between Russia and the United States. But we both have to recognize that there are limits to what the other can do. And our view, or at least my view is the Russian behavior, particularly since about 2008, has been increasingly aggressive. Partly because the United States has been, frankly, concerned about other things, and partly because I think President Obama, and I think rightly, is readjusting the United States' position in the world in terms of its willingness to take on other people's responsibilities. And so I think there's a lot of grounds for common interest. I do believe that there's a great deal of respect and appreciation for Russia and for what it has overcome in a very short time. Between 1989 and today, they've done an enormous amount of work and made great progress. But I would argue that the reason we are here is precisely because Russia has not moved on from the Cold War. We are still seeing some of the same kind of empire building, spreading of global influence, pushing the borders of Russia out that frankly drove the conflict. And I'm hopeful that we can find common grounds. ISIS is a perfect area to start because it has significant ramifications for Russia in terms of foreign fighters moving into places like Chechnya and some of the Russian provinces. So I think there are grounds for common good. We've got to figure out a way to get there. Not mentioning Iran. Not to mention. Mark, do you want to answer this question? I mean, my concerns about Russia are my concerns that I have with a lot of countries around the world. Look, Pavel, I don't define things as democracy, but I do talk about rules of law. And I know this sounds completely absurd and like a PR gag, but it's not at all. I actually carry a booklet around me all the time, which is the Constitution of the United States, and I just didn't bring it as a prop. And the fact is, rules of law matter. The rule of law in Russia is who has money and who doesn't have money. The rule of law in Russia is who has control of big companies and who doesn't. That is not the rule of law. I'm sorry, Pavel. And that's also... Pavel, do you want to answer? Yeah, go on. I wonder what attitude towards that would have some of the members of the Occupy Wall Street, for example. Well, that's fine. And when we take them to court, we punish them. And sometimes they win and sometimes they lose. Name me a court in Russia that's now open and a judge that's strong enough to stand against Vladimir Putin. Name me one single judge in Russia that's strong enough to stand his ground against Vladimir Putin. Name him for me. Name her for me. Doesn't exist. Okay. Thank you very much. I think it's time. Je crois qu'il est temps de prendre, quelques questions dans la salle. Monsieur? Un micro, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour.
Je poserai ma question en français, c'est pour les traducteurs. Un peu plus fort. Je suis ambassadeur d'Ukraine à Rabat. Je voudrais poser une question à M. Yves Leterme, M. le Premier ministre. J'étais ambassadeur d'Ukraine en Belgique au moment où vous conduisiez le gouvernement de votre pays. Vous avez évoqué en parlant les sphères d'influence de la Russie dans le contexte du sommet de Bucarest. Et puis vous avez dit que la Russie avait besoin d'un espace pour exister. Voulez-vous préciser cette notion des sphères d'influence? Qui en fait partie vis-à-vis de la Russie? Quel est l'espace dans lequel la Russie doit exister? Et doit-elle exister aux dépens de l'Ukraine, son pays voisin? Et la deuxième question, si vous permettez, bien évidemment à M. Pavel Andreïev, dans votre premier exposé, vous avez dit que les citoyens avaient leur mot à dire dans tous ces processus très complexes qui se déroulent dans ce chaos qui fait partie du thème de ces Medeis. En Ukraine, bien sûr, je prône la dimension ukrainienne de notre agenda, hein. Vous me comprenez. En Ukraine, les citoyens, à deux reprises, de manière démocratique, à travers des élections reconnues par tout le monde, c'était des citoyens aussi bien ukrainophones que russophones, des citoyens de l'Est, aussi bien du centre que de l'Ouest de l'Ukraine, qui se sont prononcés pour leur rapprochement avec l'Union européenne. La Russie a répondu, tout le monde connaît la réponse. On a bien reçu le message, la Crimée est annexée, une partie des provinces de l'Est est occupée d'abord par les mercenaires russes, puis par la troupe russe. Ils ont seulement enlevé leurs insignes et ont badigeonné les aigles à deux têtes sur les chars. Mais ce ne sont pas les chars ni de l'OTAN ni ukrainiens. Donc ce premier élément de votre réaction à la démocratie ukrainienne, on l'a enregistré. À part cela, qu'est-ce que la Russie a à proposer en termes de projet d'avenir, en termes de choix d'avenir à l'Ukraine? Je pense que c'est assez de questions pour M. Pavel Andreïev. Merci. On va essayer d'y répondre. Yves Leterme, allez-y. Tout d'abord, je voudrais réagir juste 10 secondes à ce qui s'est passé juste avant de donner la parole à la salle. Je crois que j'étais secrétaire général adjoint de l'OCDE jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et on avait des négociations d'adhésion de la Russie à l'OCDE, et nous négocions entre autres sur la gouvernance, sur des cadres légaux pour l'activité économique. Donc je crois que la réalité russe est plus nuancée qu'il n'apparaît ici. Naturellement, on peut questionner beaucoup, mais disons que l'OCDE, c'est pas un club, c'est une organisation sérieuse, et le fait que nous négocions et que nous voyons des progrès et une volonté politique d'arriver à plus de transparence, à une meilleure gouvernance, je crois que c'est quelque chose qui a été acté par tous les pays, y compris les États-Unis et toutes les démocraties occidentales. Donc soyons un peu nuancés lorsqu'on parle aussi de la réalité russe. Monsieur l'ambassadeur, ce que j'ai voulu dire, c'est un constat. Je n'ai pas voulu dire que j'adhère à la dynamique qui a démarré, mettons, 2008-2009 de la part de la Russie. Mais moi, j'ai constaté que ce qui s'est passé du côté occidental, essayer de retrouver une cohésion avec les pays de l'Europe centrale et de l'Est par l'intégration dans l'OTAN, a été perçu du côté russe comme quelque chose d'assez agressif. Même jusqu'à présent, la perception est que c'était une dynamique agressive. J'en réfère aux paroles de Gorbatchev la semaine passée ou la semaine d'avant à Berlin. Donc je n'atteste pas cette attitude, je n'adhère pas à cette attitude. Toujours est-il qu'en 2008, au sommet de Bucarest, ce que nous avons décidé là, en tant que dirigeants de l'OTAN, était perçu du côté russe comme quelque chose, comme une sorte d'agressivité vis-à-vis de la Russie. Et les décisions qui ont été prises ou les intentions que nous avions concernant le bouclier n'ont pas arrangé les choses. Cela ne veut pas dire que le désir de sécurité et d'intégration dans une Europe démocratique et une démarche de sécurité commune avec les États-Unis n'était pas légitime de la part de les pays que vous avez, chers collègues, énumérés. Mais encore une fois, je crois pour faire de la politique, surtout au niveau international aussi, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi les gens auxquels on fait face, pourquoi
quelles sont les raisons qui les amènent à avoir certains points de vue. Et donc là, je crois qu'on ne peut que constater qu'une certaine dynamique de la part de l'Europe occidentale et des États-Unis ont été perçues comme, cette dynamique a été perçue comme un acte d'agression. Pour conclure, je voudrais encore une fois souligner, ne sous-estimons pas que notre grille de lecture de la géopolitique en 2014 risque à un certain moment d'être dépassée. Nous avons encore toujours la grille de lecture basant sur le membership du Conseil de sécurité actuel, sur un poids géopolitique qui date d'immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas sûr que ce soit la méthode de comprendre et d'agir dans la décennie à venir et dans les 20-30 ans à venir, ni au niveau des forces en présence. Encore une fois, ne sous-estimez pas la perte de poids économique et démographique de la Russie. Deuxièmement, moi je crois personnellement que la nature des conflits face auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est toute différente que des conflits entre des États-nations avec des armées qui géographiquement sont circonscrits. Je crois qu'il y a d'autres choses qui se passent, qu'il y a une globalisation des terrorismes, qu'il y a une globalisation du risque et qu'il y a des dynamiques transfrontalières qui sont beaucoup plus difficilement appréhendables que ne ce fut le cas et que ça mériterait plus d'intérêt de notre part pour voir ces choses-là. Il y a quand même une ligne de fracture entre nous autres Européens et les États-Unis. C'est que vous avez parlé, Enrico Letta a parlé à plusieurs reprises, et vous aussi vous avez abondé dans ce sens-là. Vous avez parlé d'élargissement de l'Union européenne, vous avez dit qu'il fallait continuer. Donc nous parlons de l'élargissement de l'Union européenne, qui est quand même une zone qui ne se vit pas comme une puissance militaire, et nous freinons sur l'élargissement de l'OTAN, que poussent les États-Unis vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui veulent y adhérer. Ça a été la Géorgie, ça peut être l'Ukraine, etc. On a quand même l'impression que les Européens sont, pour reprendre l'idée de Fukuyama, sont sortis de l'histoire, alors que les Américains, eux, la voient quand même très différemment de nous, non ? Vous n'êtes pas frappé par ça ? Oui, vous avez raison. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait, par exemple, mettre un point sur la discussion de la Global Governance, qui est complètement hors pour le moment de discussion, qui est le point de discuter sur un futur Helsinki 2. Je pense que ce serait important. Un lieu où on discute de se mettre ensemble à parler de sécurité avec les différentes parties du monde. On l'avait fait quand la Russie était Union soviétique. Je pense que ce serait bien de le faire maintenant. Je pense que ce serait très utile. Je pense que l'Europe pourrait jouer un rôle et pourrait pousser. Quant à l'Europe, un mot, si l'Europe pense d'être puissance économique simplement, l'Europe n'a pas compris et les différents pays européens n'ont pas compris quelle est la dynamique de leurs opinions publiques. La première chose que les opinions publiques demandent à tous les gouvernants européens, c'est de couper les dépenses militaires et non pas de couper les dépenses pour les crèches, les dépenses pour le welfare, les dépenses pour tout le reste. Et tous les gouvernements européens, sauf la France, qui est le seul gouvernement et le seul pays européen qui a encore un profil militaire global, parce que la Grande-Bretagne a fait des coupes énormes dans le militaire. L'Allemagne n'a jamais eu ça. L'Italie a toujours eu de très basses dépenses du point de vue militaire. Donc c'est seulement la France là. Mais il faut comprendre que le futur sera un futur dans lequel ou bien la croissance en Europe revient une croissance de 3-4%, alors il y aura de l'argent pour tout, ou bien l'Europe doit faire ainsi qu'il y ait des dépenses militaires communes dans 10 ans. Je parie que ce sera quelque chose qu'aujourd'hui on voit comme un dream naïf. Mais dans le futur, ce sera obligé par les opinions publiques, parce qu'on ne sera plus en condition de tenir les dépenses militaires comme on les a aujourd'hui, et on aura besoin d'avoir un instrument militaire important et profilé. Donc ce point-là, je pense, au sein de l'Union européenne, va être un des points principaux. Mais je souligne ce que je dis au début. Helsinki 2, on l'avait fait quand l'Union soviétique était là. C'est le moment de le faire parce que sinon, les contradictions et les malentendus vont être les uns après les autres. Mark, you want to react? No? Okay.
Question, monsieur. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, oui, il y avait une question pour Pavel. Bonjour. Thank you very much. Just wanted, of course, to react to a couple of things which were said and then answer to the question of the ambassador. Rule of law. There are a lot of problems with that in Russia. No question about that. Probably we do not bear the constitution in our pocket because it's too big. But it is interesting who is teaching us how to be good. Is the rule of the big capital small in the United States? It is one of those countries who are ruled by big capital. Quite successfully. It is one of the countries which has a lot of criticism about exclusivity of its governance, but exclusivity of its elite, but how difficult it is for common citizen to actually influence the decision-making. Speaking about the rule of law and breaking the rules of law, sanctions which are imposed against Russia are against WTO rules. Just as simple as that. Now, we're hearing about Imperial Russia. Can you name any examples? I'm really eager to hear how Russia is becoming more imperial. Is it Russia stepping on NATO door? No, it's vice versa. Where is this imperialism? There is a resurgent sovereignty, that's true. There is more self-consciousness, self-pride, that's true. We are there to fight for our place in the system of global governance, to defend our national interest, to have the right to do so. That is where imperialism ends. Now, answering the question, it is important that the citizens of Ukraine had their say. But it is also important to accept, I'm sure, Ambassador, you would accept that if you follow the pattern of all elections over the past decade in Ukraine, it has been split basically in two halves. All outcomes of the election were decided by 3 to 5% of the vote. There is one side which is looking west and another side which is looking east. Why is it that the empowered citizens of those parts of the Ukraine who are looking west have more rights to have their vote count than those who are looking east? That's exactly what you're having on the ground. That's exactly this exclusivity of empowerment of the citizens, which sparked the reaction in the east of Ukraine. And they also had the elections. And once they just had their elections, and there is supposed to be a window of opportunity. Now there are two, I accept, quasi-legitimate representatives of the citizens. When there is an opportunity to put them at the table and to have a meaningful political process, the Kyiv government starts bombarding Donetsk again. I don't understand why is that. The future of Ukraine. I am a strong believer, and I know that in Moscow, people think that the protracted military conflict in Ukraine is against Russia's interest, it's against the interest of Ukraine, and it's against the interest of Europe. Thank you. Thank you, Pavel. Unfortunately, we have to close our panel here. Enrico Letta has a plan. You want to yeah, 1 minute. You have 1 minute. The fact is, Pavel, Russia is being imperial. It's just not using a military to do so. It's using economics. It's following the Austrian-Hungarian Empire. You don't have to go to war to be imperial. You simply want to have to take control, which is what Russia wants to do. Thank you. Malheureusement, donc, il faut que nous arrêtions là notre discussion. Nous n'avons plus le temps. Le prochain panel commence dans un quart d'heure. Enrico Letta, vous voyez, il a un avion à prendre. Merci beaucoup. Je crois que cette discussion a été très intéressante. Merci à vous. Bonne continuation au Med Days et bonne journée.